nous sommes aujourd'hui dans un processus d'accréditation du FIRCA comme entité nationale pour le Fonds des Nations Unies pour l'adaptation au changement climatique. Et c'est un processus très sélectif qui a fait intervenir au plan national toutes les structures que vous connaissez. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire de... Mais à l'issue duquel, une institution du système des Nations Unies a identifié le FIRCA comme étant la structure lead qui, par ses procédures, par sa gouvernance, etc., pourrait recevoir ces ressources-là. Et apparemment, nous sommes en bonne voie puisque le prochain conseil d'administration de ce fonds est prévu pour le 6 février. On est presque, en tout cas, sur la bonne voie pour le faire. Oui. Mais cela ne veut pas dire que les autres structures au plan national ne pourraient pas bénéficier de ça. Parce que nous-mêmes, après les diligences, le FIRCA avait beaucoup d'éléments à mettre au pas. Mais l'écart entre le FIRCA et les autres structures était tel que le FIRCA a eu l'avance pour pouvoir le faire. Investir pour le futur, anticiper, innover. Nous sommes le FIRCA.